Cela fait presque 7 mois que Christophe Bonhomme n'a pas assuré un cours de judo dans son club de la SPTT Ajaccio. Les séances reprennent lundi avec un protocole sanitaire strict. Vestiaire condamné, sens de circulation, gel pour les mains et les pieds, port du masque pour les professeurs. Ce matin, il a permis à quelques jeunes d'effectuer leur premier pas sur un tatami. La démonstration s'accompagne pour les parents de la présentation des mesures sanitaires. À l'école, bah, ils vont déjà être dans le bain, donc dans le sport, ça sera le même contexte, je pense. Le judo, c'est un sport de contact, mais je pense qu'ils nous ont rassurés en nous expliquant les différentes mesures qui sont prises au sein des clubs. La SPTT grandit en ouvrant cette année une section à Saarl. À Ajaccio, le club a pour l'instant retrouvé 60% de ses effectifs d'avant la crise sanitaire, 90 inscrits, adultes et enfants. Quand ils voient comment on prend en charge leur enfant, ça les rassure de suite. Parce qu'en fait, ils voient vraiment, visuellement, que le protocole est vraiment appliqué. Et que leurs enfants, je ne peux pas dire qu'ils sont en sécurité, parce qu'il ne sera jamais en sécurité à 100%, mais qu'on a tout mis en place pour le protéger au maximum. Gros succès aussi pour le GFCA Basket. Dans ce club, pas ou peu d'inquiétude pour la saison à venir. Les entraînements ont repris mi-août en extérieur, ils reprennent en salle mi-septembre. L'an passé, le club accueillait 135 jeunes. Cette année encore, les parents semblent prêts à payer, selon la catégorie, entre 90 et 200 euros pour la licence et la tenue complète. On n'est pas inquiet, on n'est pas inquiet. Si on nous laisse les gymnases ouverts, si on peut travailler correctement, on n'est pas inquiet sur la participation. Au milieu des clubs sportifs, le stand de l'Agence régionale de santé, venu rappeler que sport et mesures de protection sont compatibles et même indispensables. L'épidémie augmente de manière importante en Corse, hein. Donc pour nous c'est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire que c'est essayons de vivre avec le virus pour ne pas être amené à un moment donné à devoir adopter des mesures beaucoup plus difficiles à vivre. Et donc c'est tout l'intérêt de notre présence ici aujourd'hui. Ce matin, aucun dirigeant de club n'était en mesure d'assurer que les saisons iraient à leur terme. Seule certitude, elles vont bel et bien débuter. Les gymnases et les terrains de sport de Lille sont en train de reprendre vie.